et que la paix et la garde du Dieu soit avec vous tous. Amen. 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 Et pour profiter de l'occasion pour me saluer chaque bien-aimé frère et soeur, et dans la foi qu'a peut grandir, qu'a peut avancer dans le bon Dieu, et nous profiter du coup de thématique ça que le Seigneur les ban nous pour que nous savourer, pour que nous mangions ensemble. Bien-aimé, chaque l'heure nous gagnons un thème, nous prenons le soin pour que nous apprenions de nous-mêmes. Bon Dieu, toujours une parole spéciale que je veux communiquer avec nous. Amen. Autour du thème. Yo. Je remercie également Pasteur Tal, que le Seigneur tout servi avec lui pour que nous joignions thématiques, yo, pour que nous capables de partager avec nos frères et sœurs. Moi, saluer et Pasteur Kala Nouveau qui était déjà et introduit thème là. Et tant mieux moi et Jackson lui, zami nous là-bas au Canada, qui était venu déjà. Matin, je crois que moi a approché dans la même idée et de thème ça que nous joignons. Dans Jacques, et chapitre 4, verset 7, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et fuyez loin de vous. Bien-aimé, je crois que l'on a gardé l'introduction et le contenu thématique là, puisque terminant déjà, c'est on met ça en miniature que nous joignons la soumission inconditionnelle. Nous est soumission, nous est obéissance, nous est exigence en dedans. Mais dorénavant, bien aimé, avant de nous approcher, avant de nous approcher par nous autour de thème là, moi, souvent, dans l'intervention, dans l'introduction, je parle toujours de ennemi ça, de intrui ça. Et pas oublier que il fait toute classe li dans le ciel là. Bonheur, université li, ou du moins collège li, li est dans le ciel là que le fait. Mais pas oublier, bonjour, vini, bonjour, t'es arrivé, qui montait dans la tête, li, eh bien, il était voulu prendre le pouvoir, il était voulu prendre le dessus, au bon bien, et il a voulu usurper le pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu. Et finalement, nous voyons que ce n'est pas bon Dieu, non? C'est Michel Archange même, qui chassait Monsieur dans le ciel-là. Et lui jouait un accès privilège pour que non seulement il tombe dans de l'eau, dans le pied bois, et même dans la tête de monde. Bon, mais je dis à ce que le monde a décrescendo, eh bien, c'est ennemi ça. C'est ennemi ça, qui couche en quoi? C'est lui-même qui a fait mon végéter tomber levé. Et nous pral wè nan livre commencement bien-aimé, li pral flatter orgueil grand-parents nou yo. Et c'est ça que fait jodi a sou le monde nan état ça. Et mais c'est virus ça, c'est microbe ça. C'est venin tuer ça, venin mortel ça. Péché ça, péché héréditaire ça. Qui fait jodi a ou wè nou nan situation ça. Il flatte orgueil, monsieur Damio. Il mette au dehors dans le jardin. Il flatte orgueil. Et il prend dans le piège là. Il soumet au lieu pour ta résister, c'est soumettre avec voix ennemie, serpent ancien, dragon ancien.
Ou admet, eh bien, depuis lors, nous avons une situation ça. Mais heureusement, à la croix, ça n'a pas arrêté là. Bon, notre Seigneur, l'immolé, notre Sauveur, notre Rédempteur, eh bien, il fait un plan pour nous, il fait un nouveau plan pour nous. Il fait un nouveau projet pour nous à travers ça. Et ça fait jeudi, et nous avons accès et privilège pour que nous capables de prendre victoire, pour nous saisir victoire. Et nous pouvons regarder dans Éphésiens, dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 6, verset 11. Il pourra dire, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Dans la première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 5, là, il dit de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. C'est autour de deux textes plus thématique là, n'a pas parler avec au matin. Et on croit j'aime ça dit tout à l'heure, deux ans menu yon getan approché thème. Et yon entré dans le contenu an déjà. Et je crois que les nous garder vers soumission et nous wè là-dedans l'obéissance de l'aimé. Et nous wè exigence là-dedans de l'aimé. Et bon Dieu, le verbe. Thème ça, un mot ça, soumission, eh bien, nous avons action là-dedans. Action de soumettre, action de se soumettre. Et verbe là, dans le texte, ça nous rajeunit, il dit soumettez-vous donc à Dieu. Soumission, il fait référence, se mettre sous le pouvoir ou bien sous l'autorité de quelqu'un. Ouais, alors ouais, qui exigence que Moïse a fait nous. Et en thème thématique grec là, c'est ou potagé ou bien ou potagé. Ou bien mais c'est les n'a gardé lui. Eh ben nous pourra garder non sa pasteur Jacques pourra dire nous. On va dire et ça fait les pita et pita général parce que on parle lettre ça son lettre générale liée yo généraliser lettre là bien-aimé et en dans li gon avertissement non texte là gè conseil en dans texte là gè ordre qui passe gon impératif on prend bien alors c'est apprendre ou à laisser. Ou bien, c'est soit obéir à bon Dieu, ou du moins désobéir avec ennemi. Ou bien, et c'est Jean Gadez, il dit soumettez-vous donc. Et bien, c'est le moment de là pour obéir. C'est pas pour ça nous autres, c'est habituel, vient avec, il dit que, ou bien, et soumission est conditionnelle, sans condition, et résister au diable. Eh bien, et il te fait mention de termes grecs, alfor, ou potasso, ou potasso, obéir à, être soumis, disposer sous, ou bien, se mettre en soumission, ou bien, alors, c'est ça, ou bien, céder à un conseil, ou du moins à un avertissement. Maintenant, c'est ça qui gagne dans le texte là. Il demande pour résister avec ennemi. Résister avec ennemi. Il demande pour courir
si on résiste, eh bien, elle m'a obligé de courir, il pas qu'à arrêter, l'obligé à aller. L'obligé à aller. Et le verbe résister ici, c'est faire opposition. C'est résister, c'est s'opposer. Et c'est ça la définition Bono. Et il fuira loin de vous. Le verbe fuir, s'enfuir, il fait implication à s'échapper, se sauver, se retirer. Et c'est ça, Mathieu, selon l'appréhension de texte, c'est ça. Et je crois que l'offre tant de mots dans le texte, c'est pour ranger position avec le Seigneur. C'est pour ranger cause avec mon Dieu. Et je dis, moi avec vous, je comprends ce qui est passé dans le monde, je dis, sur le plan matrimonial. Si nous mettons organigramme, nous mettons Dieu, famille et puis Église, l'Église. Eh bien, ça nous est. Eh bien, je dis à, nous venons plus divorce dans le monde. Coupio, pas qu'à cohabiter ensemble. Et je crois que journal. Et j'ai peut-être passé là, ou après fait un milliardaire en fait qui divorcé. Vous voyez? Parce que manque de soumission. Ils n'ont pas qu'à arranger yo ensemble. Ils n'ont pas qu'à mettre tête yo ensemble. Et j'ai peut-être passé au théâtre que bon Dieu tape nous l'Église là comme tête et nous-mêmes nous c'est corps car nous devons soumettre-nous avec bon Dieu nous. Sur le plan géopolitique, et nous voyons ce qui a passé dans le monde, je veux dire. Hein? Et chaque monde voulait, c'est eux-mêmes qui pour gérer mon nom. C'est eux-mêmes qui pour occuper mon nom. Vous comprenez? Ça dit, c'est eux-mêmes qui gagnent plus puissance, c'est eux-mêmes qui gagnent plus pouvoir. Vous comprenez? Où est la pagaie tête ensemble? Yon ne pas vle obé, yon ne pas vle mette dans un moyen là pour dire ne fait mon nan marché. Eh? Ça kap fait zam, ça kap prepare, ça kap prepare en fait musil, ça go zam. De moment à d'autre, c'est ou katan de guerre pété dans mon nan. Raison, eh ben, chaque nation ça a bat pour occuper dans la première place. Yon ne pas vle mettre tête ensemble. Yon ne pas vle soumettre à l'autre. Yon ne pas vle obéir à l'autre. Mais matin, dans le texte, c'est la soumission inconditionnelle qui fait implication à la soumission totale à bon Dieu nous. Pour nous obéir à bon Dieu nous. Est-ce que Mathéon est d'accord pour obéir à bon Dieu ça? Est-ce qu'on est d'accord pour remettre la voix à bon Dieu et puis qu'on y a là pour résister avec ennemi ça, pour opposer avec force ennemi ça, avec force démoniaque? Pas oublier, il n'y a pas d'autre plan pour nous. Ennemi n'a pas d'autre plan pour nous, bien aimé. C'est plan pour le détruire nous. C'est plan pour le finir avec la vie nous. Et vous pouvez comprendre fort bien, bien-aimé. Bon Dieu fait provision d'armes pour nous gourmer avec ennemi ça. Et dans la lettre, dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 6, et bien, il y a nos armes pour nous gourmer. Il dit, revêtez-vous. Le verbe se revêtir ici, mais c'est s'habiller, recouvrir. Se vêtir, bon Dieu, bon nous âmes, pour nous âmes, ça, ce n'est pas âmes charnelles, ce n'est pas âmes pour nous détruire le monde, mais ces âmes, non seulement âmes défensives à la fois offensives. Et ça fait, moi, avec un mot qui est intelligent, eh bien, pour capable d'être accroché à la soumission de Dieu,
Moi, pour capable rétablir, pour capable soumettre tout totalement au Seigneur, ou besoin de âmes ça. Parce que ennemi lui-même, il a cherché coûte qu'on a pour l'investir dans mon pour l'investir là qu'on a pour capable retirer dans plan, dans projet, mais dans promesse que le Seigneur lui fait pour aller assiéger avec lui, pour aller habiter avec lui. Il a besoin de retirer dans plan. Revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ah, ou te connais, ennemi a son ruselier, ou connais, c'est ton maître d'amnité, ou te connais ça? Ou te connais bien, c'est son calomniateur que lié? Ou te connais ça? Ou te connais que ennemi s'en fait, les gars fait tout ton panneau plus de nous, accusateur, c'est job, lui. Et c'est pas pour ça que nous, elle tapons tout à l'heure, où elle a flatté orgueil, monsieur Damio, pour capable de retirer un plan. Un plan, mon Dieu. Il mettait à nu. Et, mais c'est ça, ma terre. Texas, pourquoi Texas? Il est vraiment explicite, il est vraiment clair pour essayer de comprendre. À qui moun ko doit accrocher, à qui moun ko doit cohabiter, à qui moun ko doit servir, qui moun ko doit adorer. Là nous garde des amis bien-aimés, il parle de vérité pour cette chose. Un, il parle en fait de cuirasse de la justice. Vérité, c'est pas mensonge, c'est vérité. Parole bon Dieu, c'est oui et amen. Bon Dieu, Seigneur nous, il est la vérité. C'est lui-même qui dit ça. Je suis la vérité, je suis le chemin et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. La cuirasse de la justice, le zèle que donne l'Évangile, toi, le bouclier de la foi, ou contre sa cuirasse là. Nous t'es pas laissé, nous ça lui-même. Et si nous, en fait, contextualiser, c'est ça, on est capable de brûler sur le plan militaire, gilet par balle. Ou besoin de cuirasse. Ou besoin d'habiller avec cuirasse. Bouclier, mais c'est par brise. C'est bloc vitoué qui pour barrer, pour les voies flèches, pour flèches pas prendre. Le bouclier de la foi, le casque du salut. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et septième âme que vous il dit faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. Avec âme ça, ou qu'à boumer avec ennemi. Parce que ennemi, la tout ce qu'on est, toutes celles quatre lits, ou façon qu'on a pour capable de retirer ou. Dans le plan bon Dieu, dans le plan de soumission. Et ce n'est pas pour cette raison, Jacques a dit, vous qui êtes jeunes, je dis à nous que ce n'est pas seulement l'Église, nous ne pas respecter nous qui plus grand. Je dis à, c'est chez nous en Haïti, ouais qui dégât que l'ennemi ça fait. Ouais qui dégât. C'est dans dormi, oui, c'est dans cauchemar pour ta ouais ça, oui. Là du monde qui plus grand passé moi. Si nous ta conseil joint ville. On va dire dans groupe là. Eh ben, les même qui cap dit, il dit bah ça est pas et pas vrai monde jam ouais non. Et gen moun jodi an ki mda di nou te kapab pou an fè kom doyen d'aj, y a di non, y pa ke moun ba kouza di tout non. Kote moun ap kidnape moun, kote moun ap ransone moun, kote moun ap antre la kay moun, ap apouvri moun, kote moun ap egorje moun, kote moun ap tue moun, la vi moun, pan yin kounya. Est-ce que ki dega ke mi sa te kapab fè? Mais c'est ça, bon Dieu, bon Dieu, vous voulez vous matin.
pour en opposition avec Enita, et puis pour accrocher avec bon Dieu là, avec vrai bon Dieu là. Et c'est ça, lui, du matin, il parle de Bayano. Il dit, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Jeunes, je dis, hein, pas de révérence, pas de respect pour les gens qui sont plus grands. On nous prend les, on nous prend les de façon générale. Et qu'on y a tout, si tu apprends tout, qu'on y a tout, en fait, soit sur le presque ecclésiastique, eh bien, on apprend aujourd'hui à jeunes, pas respecter ni pasteur, pas respecter ni diacre, ni dame missionnaire du tout. Vous comprenez du tout. Mais ce n'est pas faute. C'est ennemi, oui. C'est ennemi qui fait ça, oui. Ennemi a un plan pour finir avec la vie. Je dis à qui sont ouais, jeunes, yo kounya, eh bien, yo vraiment addicté à la drogue, à tout bas, etc. Vous, en fait, en position, fini. Yo pas reconnaissé encore. Et moun qui levé longtemps, yo compte comment jeune. Et comme mon jeune et longtemps cap levé kay grand moni et on comprend bien comment ça fait mais kounya man avec technologie c'est le monde m'a foutu à ce qu'on peut aimer car Dieu résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux hommes. Maintenant, bon Dieu, pas son plan d'orgueil pour nous. Il n'a pas son plan pour nous. Parce que orgueil là, la voie fait un écrasement. Mais bon Dieu, son plan d'humilité. Et nous, ouais, ça. De Gethsémané à la croix, il soumet à papa. Et c'est pas pour nous, c'est pas pour lui-même, non? Pour nous, oui. Pour être capable de retirer nous. Venez pécher ça. Venez mortel ça. Venez tuer ça. Il obéit. Il prend la mort ça. La mort honteuse ça. Attends, bien-aimé. Mon cap coûté nous. Le Seigneur, il fait plan. Bon promesse. En dans thème ça. Bon béatitude. Même genre, thème nous a expliqué nous dernièrement. Bonheur, bon bonheur. Bonheur éternel. Et sincèrement, sous accroché avec un mien, ou a raté bonheur, vrai bonheur là. Ou a raté bénédiction, ou a raté grâce, ou a raté promesse là. Bien-aimé, si nous t'apprenons tout sur le plan d'évangélisation, puisque pas oublier que l'Église a un mandat pour aller évangéliser. Aller faire de toutes les nations, les disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et en ces heures, tout ce que je vous ai prescrit. Isaïe, c'est même quand ça a dit, les bons gens disent, et Isaïe dit, qui enverrait, qui marche, et Isaïe dit, me voici, envoie-moi. Dans Luc 10, 17, bon Dieu, vous et monsieur, dame, 70, allez évangéliser. Les retournés, retournés avec joie dans le cœur. Il a dit, yo chassé démon nan nan bon Dieu. Mais bon Dieu te dit une parole. Il dit une parole. Il dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les démons, ben, les esprits vous sont soumis. Il dit, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Matin, est-ce que non?
Est-ce que nous écrit dans le ciel là? Est-ce que nous dans le cahier ciel là? Amen. Est-ce que moi je termine? Est-ce que nous écrit? Ou besoin de questionner tête tout. Sous mettre à bon Dieu qu'on est non. Il écrit déjà dans cahier. Et dans le jugement national, on parle bon Dieu Brésil. Quiconque ne fut pas trouvé son nom écrit. Quiconque ne fut pas trouvé son nom écrit ou bien écrit dans le livre de vie, fut jeté, sera jeté dans le feu éternel. Moi-même, moi avec vous matin, c'est sûr que nous avons un privilège. Moi-même, capable de ça, personnellement, j'ai un privilège pour me dire la plein gosie. Et c'est ça, matin, moi, avec vous, à l'unisson, nous devons être sûrs que nous avons écrit dans le cahier ciel. C'est-à-dire, nous avons qui soumettent, nous avons qui remettent, nous avons qui obéissent, nous avons qui disposent sous, nous avons qui mettent en bas pouvoir, bon, en bas autorité, mon Dieu. Oui, non. Nous écrit dans le cahier ciel. Mais si vous pouvez faire ça, mais profitez l'occasion. Profitez l'occasion ça. Nous allons voir dans Pierre, nous allons terminer avec ça. Il pourrait dire, moi, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 9, là, il dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans ce monde ou dans le monde. Ah, l'obéir avec ennemi, ou est-ce qu'il souffrance, ou est-ce qu'il misère, ou est-ce qu'il calamité, mais ça qui est fort en dedans, c'est avec une foi ferme, car ou t'as avec moi, en fait, dans la prescription, ou t'as en fait le bouclier de la foi. La foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi est une ferme assurance. Une démonstration de celle en fait qu'on ne voit pas. Sans foi, sans la foi, ou pas capable agréable à bon Dieu. Sous pas faire confiance à bon Dieu, ou même sous pas croire dans bon Dieu, eh bien, ou pas soumettre. Ou pas soumettre, ou pas obéir. Ah bon Dieu. Maintenant que le Seigneur lui fait grâce. Que le Seigneur, maintenant, lui aide nous pour nous obéir à la parole de Dieu. Pour nous soumettre nous à la parole de Dieu. Avant de terminer, quitter, pas oublier, ou bien trois grains de nous. Et ou bien zamboumouma avec eux. Le monde païen, le monde pervers, monde saouéa. Mon sa oué de masse, zami, pour la terre abandonnée, pour la monde qui présent ça. Ce n'est pas le monde cosmos, non. Ce n'est pas le monde que vous dans Jean 3,16, non. Le monde, la Bible dit dans l'épître de Jean, il dit n'aimez pour le monde les choses qui sont dans le monde. L'amour du Père, car l'amour du Père en fait n'est point en lui. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père en fait n'est point en lui. Deuxième ennemi, c'est la chair. Et troisième, c'est le diable. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les roues du diable. Attends que le Seigneur lui bénisse, que le Seigneur fait grâce. Que le Seigneur aide à soumettre au jour le jour, à obéir à Dieu, à notre Dieu et à la parole de Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Shalom, shalom. Bonne journée à vous. Bon dimanche.